Nous sommes à Basse-sur-le-Rue, c'est un petit village des Hauts-de-Vosges qui fait moins de 1000 habitants. Nous avons créé un club de ski nordique il y a 6 ans. Donc quand on dit ski nordique, ça regroupe 3 disciplines. Donc la base, c'est le ski de fond, mais également les formes au tir pour ceux qui veulent faire du biathlon et au saut pour ceux qui souhaitent faire du combiné nordique. À la fois du très haut niveau, puisqu'on en a plusieurs dans les équipes nationales, et puis on a aussi bien du loisir. Voilà, c'est un club qui est ouvert à tous. J'ai commencé à faire du sport tout petit en fait. Au début j'étais un peu multicard, j'essayais un peu de tout et comme mon père il est plutôt sport mécanique et ma mère elle est plutôt dans la branche du ski de fond et tout ça, donc le week-end je venais la voir à ses courses, l'accompagner et petit à petit ça m'a donné goût d'essayer aussi le ski. Depuis tout petit je fais du ski de fond, donc j'étais sur les skis à l'âge de 3 ans mais juste pour faire la photo parce que je savais pas skier. Et donc on était un peu multisport, donc mon frère a eu jusqu'à 7 licences en même temps, donc de sports différents. Donc ça commence à faire beaucoup quoi, dans une semaine, quand chaque jour on a un sport différent. Et au fur et à mesure, on se spécialise dans un sport et il s'avère que le biathlon c'était le sport où on réussissait le mieux. Au début je voulais pas vraiment faire le sport, je voulais plus être musicien. Et c'est avec mes frères que je m'y suis mis petit à petit. Et donc là, c'est ma 7e année dans le ski. Quand j'étais petit, que j'ai commencé, Florent était déjà dans les tout meilleurs nationaux, donc ça donne forcément envie de briller. Et quand on voit la carrière qu'ils ont déjà fait les deux, on se dit que ça devient possible et on réalise qu'on peut en faire sa vie, quoi. Deux pour monter et deux pour aller à gauche. Avant de tirer sur les cibles mécaniques, il faut impérativement se régler plein sens. En fait, la cible, comme on voit là-bas, couchée, c'est juste le milieu. Donc, ce qu'on essaye aux essais, c'est d'être réglé au moins les 5 balles dans ce petit rond-là. Il y a à la fois l'effort physique du ski de fond, mais qu'en plus, on rajoute la difficulté du tir, le coucher et le debout, et l'ensemble des deux, ça fait que ça demande beaucoup de maîtrise de soi. C'est un sport où il faut être bon dans les deux disciplines. Et surtout que le niveau il fait que de monter et maintenant il faut vraiment être excellent dans les deux disciplines. Moi ce que j'aime vraiment c'est la sensation de la victoire en arrivant au pas de tir, arrivant en tête. Toute cette atmosphère de course, c'est ça qui me plaît quoi. L'atmosphère c'est génial, autour d'une course, le matin on est tous une bande de potes, on est capable de rire avant le départ et on sait très bien que 10 minutes après en course, il n'y a plus de cadeaux quoi. On a le couteau entre les dents, chacun veut gagner et rien que d'en parler j'ai déjà les frissons quoi. En fonction de l'essoufflement on va tirer soit en une respi soit en deux. Donc ça va être soit... Et là on va tirer. On recharge en même temps qu'on refait l'inspiration et on retire. Ou sinon, sur les premières, des fois, on fait plutôt... Et le coup par là, en fait, c'est nous qui allons nous adapter en fonction de l'air qu'on a pour descendre les cibles, quoi. Une cible de biathlon, donc en compétition, quand on dit qu'il tire couché, donc en fait, pour faire tomber la palette, il faut... que la balle arrive dans ce petit rond-là. Là, on tombe. Et quand il tire debout, donc là, la palette, on le voit parce qu'on a une extrémité qui dépasse. Et là, c'est carrément toute la palette. Debout, au départ, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas attaché, on n'est pas stable. Touché, il faut être vraiment à un millimètre près. Donc c'est difficile, quoi. On a les battements de cœur, on arrive essoufflé. Donc il faut vraiment... être très bien positionné, il y a également le vent qui joue, la lumière, etc. Il y a 50 mètres de distance et il n'y a pas de lunettes. Ce sont des fusils le plus simple possible. Principalement, c'est notre mère qui nous a amenés au ski et qui, étant petit, nous a fait nous entraîner, nous a dit ce qu'il fallait faire. Et... elle a fait beaucoup pour nous, et, même pour le club et le comité. Hein, elle apporte à tous les jeunes. Elle s'implique de plus en plus dans le biathlon, enfin, au niveau du club c'est sûr puisqu'elle en est la présidente et à la fois entraîneur aussi. Je pense que c'est important pour elle parce qu'elle passe toute sa vie en ce moment, elle vit que pour le biathlon et pour le club, donc je pense qu'il y a avant tout du plaisir et c'est impressionnant, on se demande comment elle fait pour tout faire. Des fois on essaye un peu de la freiner mais... c'est sûr, elle a beaucoup de choses à faire. Je donne beaucoup de temps au club parce que c'est mon bébé et puis que c'est ma passion.
Donc mes enfants maintenant ne sont plus aux entraînements, mais je continue à effectuer les entraînements. Et je pense que je serai présente dans le club tant que je vivrai. Voilà, je fais toujours sur le club, les petits, les grands. Ça, c'est mon avenir qui est certain. Et mon objectif, c'est vrai, c'est de les amener au mieux, au meilleur de leur capacité. Voilà, après, ils ne seront pas tous champions, c'est ce que j'ai toujours. Mais je veux qu'ils soient tous épanouis, bien dans leur peau. Et je m'occupe autant d'un gamin qui fait du loisir et qui me dit dès le départ qu'il ne fera pas de compétition. Parce que ce n'est pas une obligation pour être au club de faire la compétition qu'un gamin qui va aller au plus haut niveau. On a une présidente qui est vraiment, vraiment investie. Elle passe, on va dire, la moitié de son temps, si ce n'est plus, pour le club. Et tout le monde en profite. Et c'est elle qui impulse vraiment l'esprit club. En fait, biathlon, ski de fond, c'est la même base. On travaille en même temps les départs de course et les arrivées en sprint. Voilà. Attention les filles! Top! Là, ils vont tourner une demi-heure en endurance. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu tous les parcours techniques. On a une petite montée qui peut passer facilement en symétrique. Une grosse montée pour travailler le pas de montée. Ils ont de la descente avec des dérapages et ils ont des parties en symétrique. S'il n'y a pas des personnes comme ça pour faire tourner un massif, ben voilà. Là en ce moment, il nous manque un cadre technique. Donc ben c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça parce que sinon le biathlon il irait mal quoi. Et c'est ce qui fait que la relève peut être un peu assurée. Hop. Ce qui est dur en fait pour les athlètes de haut niveau, c'est qu'ils ne peuvent jamais se poser. Ils sont trois jours à un endroit, trois jours à un autre, ils repartent une semaine à droite, à gauche. Donc ils ouvrent juste le sac le temps de faire les lessives et puis à chaque fois ils repartent. On arrive, on déballe le sac, on met ce qu'il y a au sol et puis on repart. Là après je vais prendre mes skis parce que en fait je reviens plus ici et donc quand on commence à plus revenir, bah, c'est que ça y est, on est dans le vrai quoi. Bon voilà, puis après ben, il reste là elle est vide et puis quand on va repartir elle sera pleine la voiture. Et pourtant il n'y a que les affaires de 1 quoi. Le Summer Tour à Arson, donc c'est des championnats de France d'été. Donc c'est le grand rendez-vous du biathlon français, sachant qu'on a les meilleurs mondiaux en équipe de France. Donc tout le monde est là. La difficulté du biathlon, elle est double. À la fois, il faut travailler le ski, il faut être un très grand fondeur, parce que maintenant, on ne peut plus être un fondeur moyen. Et la difficulté, bah, c'est qu'on arrive vite. On a le pouls, quand on arrive, on a le pouls à 200 à l'heure. Et il faut tirer, on n'a pas les moyens d'attendre trop longtemps, parce que le chronomètre, il ne s'arrête pas. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer. Donc c'est de l'apprentissage pendant des années. C'est le biathlon, c'est pour ça que c'est un sport où on doit rester humble parce qu'on peut être champion du monde un jour et puis ben, le lendemain retomber dans l'anonymat d'un championnat de France. Donc ben, la seule règle, c'est qu'il faut continuer à travailler. Voilà, toujours travailler. Florent, en fait, il a toujours ouvert la voie. Donc il a 3 ans de plus que moi. Et donc dès qu'il faisait un truc, bah, moi je suivais, sauf que j'avais 3 ans de moins. Et les défauts qu'il a fait il y a 3 ans, moi je ne les fais plus parce qu'on en parle, etc. On s'échange beaucoup de choses. Et du coup, moi ça me fait progresser plus vite. Et je pense que c'est une force qu'on soit à deux dans le même groupe. Et en tout cas, il faut que ça le devienne et que ça nous tire vraiment les deux vers le haut. Florent, il dit toujours que c'est lui qui a ouvert la voie. Et Fabien, bah, il dit qu'il en a profité, mais c'est moi qui en profite le plus parce que Fabien, c'est sûr, il redonne encore de l'expérience. Et pour moi, c'est vraiment facile. Des choses qu'eux, ils n'auraient jamais pensé à faire en cadet, bah, moi, je peux le faire maintenant. Et du coup, bah, bon, il n'y a pas de tension entre nous trois. On s'entend bien quoi. Mignien, ça fait depuis que Florent il est dans le circuit, donc il y a une dizaine d'années, qu'il vient voir les Coupes de France, qu'il connaît le Summer Tour, il connaît tout. Donc forcément quand il arrive ici et que ça fait déjà 5 ans qu'il a tout vu, même s'il ne court pas, ben, il est dans le moule
Et voilà quoi, il progresse plus vite aussi, je pense. Comme disait Fabien tout à l'heure, il sert de nos erreurs pour avancer. Et lui, il a vraiment choisi le biathlon petit. Il s'est dit, je veux faire ça, alors que moi, j'étais un peu multisport. C'est sûr qu'il a, beaucoup d'avance par rapport à moi au même âge, quoi, mais c'est tant mieux pour lui, quoi. C'est sûr que je suis particulièrement attentif à leur histoire parce que moi aussi j'ai deux frères. Moi aussi je cours contre mon frère et avec mon frère. Donc voilà, c'est une histoire un peu commune et c'est rigolo. On est forcément très proches. Donc, et pour des frères, quand bon, ils ont toujours été très très proches l'un de l'autre, très solidaires, ben c'est formidable de faire le même sport parce que ça les rapproche encore plus. J'espère qu'on va se retrouver les trois au tout meilleur niveau mondial. Dans la même équipe, et le rêve encore au-dessus, ce serait qu'on fasse un podium olympique dans le même relais, les trois, quoi. Et là, ce serait vraiment le summum, quoi. On va pas parler de 2018 parce que ça va être trop proche pour les trois être au JO ensemble, mais pourquoi pas ce 2022, ça pourrait être super d'avoir par exemple un relais où on est les trois dedans, mais ça, c'est déjà on n'y est pas encore, quoi. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. J'espère que le sport de haut niveau continuera à les rendre solidaires et que ça ne les séparera jamais. Ce serait beau qu'on se retrouve un jour les trois sur le plus haut circuit. On sait tous qu'on ne pourra pas être champion au moins le même jour, donc voilà, après il y a trois places sur le podium, pourquoi pas, quoi. C'est sûr, c'est un réel atout pour le biathlon vosgien qui, après des superbes années, a eu un petit creux. J'espère que ça repartira grâce à des personnes motivées comme la famille Claude. Moi, ce que j'espère, c'est que les enfants seront épanouis, qu'ils iront suffisamment loin pour ne pas être aigris, parce que le sport de haut niveau, il y a des joies, mais il y a quand même beaucoup plus de sacrifices et beaucoup plus de déceptions. Donc j'espère que ça les aidera à être des hommes accomplis qui penseront toujours aux autres. Voilà, tout ce que je leur souhaite, c'est d'être bien dans leur peau. Et je n'en demande pas plus.